remboursé. Donc, on demande de faire un programme C qui fait les actions suivantes. Donc, de demander à l'utilisateur de saisir au clavier un placement initial d'un client, hein, donc un nombre compris entre 200 000 et 950 000 et un nombre qui doit être multiple de 500. Donc, ces contraintes doivent être prises en compte à la saisie. On demande de déterminer aussi le nombre d'années qu'il faut à ces clients pour bénéficier d'un prêt. Demander à l'utilisateur de saisir le montant du prêt sollicité en tenant compte de la contrainte que il faut 10 fois maximum le montant du, voilà, du placement initial. Et demander à l'utilisateur de donner la durée, voilà, la durée de son prêt. Ensuite, calculer le montant du prêt sans intérêt. Ensuite, calculer le montant total avec les prêts, avec les intérêts donc le client doit payer chaque année à la banque. Voilà, donc pour chaque année. Et donc, il n'y a pas de garantie que pour toutes les années, c'est la même chose. Donc, il faudrait donner les montants pour chaque année. Donc, on va continuer avec CodeBlocks pour faire le reste du... voilà, pour faire répondre aux questions les unes après les autres. Alors, donc, on a demandé premièrement de demander le montant du placement initial. Donc, ce placement initial-là, ça doit être un nombre multiple de 500, compris entre 200 000 et 950 000. Donc, on peut déclarer ce nombre-là. Voilà, donc, il y a le placement initial. Donc, on va demander ça. Donc, c'est une, c'est notre première variable. Parce que pour bénéficier d'un prêt après, il faut avoir un placement et on va calculer des intérêts sur ce placement-là. Et donc, chaque année, on va avoir un capital qui va évoluer, qui va changer. Et donc, lorsque l'intérêt cumulé va atteindre les 150 000, le client peut bénéficier d'un prêt. Donc, on va d'abord faire étape, on va faire étape par étape. Et donc, on va demander à l'utilisateur ce placement initial et en respectant les contraintes. Voilà. Donc, demande du placement initial. Placement initial. Donc, comme il y a des contraintes, on va utiliser une boucle while. Donc, on va demander le placement initial, donc printf donné. Ça, ça permet d'afficher un message à l'utilisateur. Donner le placement initial, le montant placement initial. Ensuite, on va faire un scan F. Donc, %D. Voilà, donc on va mettre... Le nombre qui est récupéré auprès de l'utilisateur. Donc, on va mettre ça dans la variable placement initial. Voilà. Donc, comme il y a les contraintes, donc dans notre while, on va mettre les conditions. Le nombre, il doit être multiple de 500. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas multiple de 500, on va rejeter. Donc, c'est ça l'intérêt de la boucle do while. Donc, si le nombre n'est pas multiple de 500, comment on peut tester qu'un nombre est multiple de 500? On va vérifier si placement initial %500, donc %, c'est modulo. Donc, est-ce que le reste de la division de ce nombre-là est égal à 0 ou non? Voilà. Donc, s'il est divisible par 500, le reste de sa division va être égal à 0.
Ben, si ce n'est pas égal à zéro, différent, ben, nous, on va demander à l'utilisateur de saisir encore une autre valeur. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met ici différent de zéro. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que ça soit égal à zéro. Donc, si le placement initial est différent de zéro, on va demander à l'utilisateur de donner une nouvelle valeur. Et il y a d'autres conditions. Ben, on a dit qu'il faut que le placement initial soit supérieur à 200 000. Voilà, d'accord. Donc, si le placement initial est inférieur à 200 000, voilà, s'il est strictement inférieur à 200 000, ben, on va reprendre aussi la saisie parce que c'est une condition. Il faut que ça soit supérieur ou égal à 200 000. Donc, un placement inférieur à 200 000 va nécessiter de reprendre la saisie. Ensuite, il faut que le placement initial aussi soit inférieur à 950 000. Donc, s'il est supérieur, d'accord, s'il est supérieur, strictement supérieur à 950 000, d'accord, on va reprendre. Voilà. Donc, ça, ce sont les conditions sur le montant du placement, voilà, du placement initial. Donc, ce sont les conditions sur le montant du placement initial. D'accord. Donc, ici, il faut mettre, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on souhaite. On souhaite avoir un nombre qui est multiple de 500. Donc, placement initial pour 500 égale à 0. Maintenant, c'est lorsque cette condition n'est pas satisfaite qu'on reprend la saisie. Donc, il faut mettre différent au lieu de égal. Donc, ici aussi, le placement initial, il doit être supérieur ou égal à 200 000, donc c'est le contraire qu'on met. Si le placement initial est inférieur à 200 000, on reprend parce que ce n'est pas une valeur que l'on souhaite, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a fait le petit A. On a demandé le montant du placement initial. Donc, on peut afficher ce montant-là ben, pour nous permettre, lorsqu'on fait des tests, de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, on va afficher le montant du placement initial. Donc, placement initial, on va faire des points, touchant des, et on va afficher placement initial. Donc, voilà. Donc, cela nous permet d'afficher le placement initial. Donc, on va mettre ici backslash n au cas où on a des affichages à venir après, et ça s'affiche à la ligne. Alors, la question qui suivait, c'était de demander à l'utilisateur de saisir au clavier de donner le nombre d'années, voilà, le nombre d'années qu'il faut à l'utilisateur pour bénéficier d'un prêt. Voilà, le nombre d'années qu'il faut au client pour bénéficier d'un prêt. On a dit que le prêt, il est conditionné, il y a une condition, il faut que le montant total des intérêts cumulés ben, soit supérieur ou égal à 150 000. Il faut que ça atteigne ça. Voilà, donc atteindre ça, c'est ce qui va déterminer la condition si on va octroyer le prêt ou pas. Voilà, donc nombre d'années pour bénéficier du prêt. Donc, détermination du nombre d'années. Détermination du nombre d'années avant de bénéficier du prêt. De bénéficier du prêt. Donc, comment on peut faire ça? Et donc, on aura besoin, c'est-à-dire de calculer hein, l'intérêt total cumulé. Quoi. Voilà, il faut qu'on puisse calculer l'intérêt cumulé. Voilà. Donc, l'intérêt cumulé. Bon, on peut aussi déclarer intérêt annuel. Donc, on aura float intérêt annuel. Donc, l'intérêt annuel, ça va se calculer comment? Ben, ça sera
voilà, le capital multiplié par le taux d'intérêt, intérêt annuel. Ensuite, on aura besoin de l'intérêt cumulé. Intérêt cumulé. Là, on aura besoin du capital aussi. Parce que le placement initial, là, ben, c'est le nombre qu'on a donné au départ. Mais ce nombre-là, va, le capital, ce que l'utilisateur, disons le client va avoir dans son compte, ben, ça va changer au fil du temps. Donc, la première année, le capital, là, ça va être au placement initial. Mais au fil du temps, le capital va changer parce qu'on va appliquer un taux d'intérêt. Voilà, on va appliquer un taux d'intérêt sur voilà, le capital là pour déterminer la valeur, la prochaine valeur du capital. Voilà. Donc, la détermination du nombre d'années, donc ça va être fait de la manière suivante. Donc, au début d'année, donc le capital, au début des calculs, le capital là, il est égal tout simplement au placement initial. Voilà, il est égal au placement initial. Mais le capital, il va changer de, voilà, de valeur. Il va changer de valeur au fil des années. D'accord? Donc, chaque année, l'intérêt annuel, ça sera quoi? L'intérêt annuel, ça sera ben, le capital multiplié par le taux d'intérêt. D'accord? Donc, pour calculer ce nombre d'années-là, ben, il y a une condition. Donc, la condition, c'est quoi? C'est que l'intérêt cumulé soit ben, supérieur ou égal à 150 000. Donc, ben, on va continuer à faire les calculs. Ça veut dire que chaque année, on va appliquer pour voir voilà, en quelle année on va savoir que on peut donner un prêt au client. D'accord? Donc, la condition ici, c'est le fait que l'intérêt cumulé soit à 150 000 au minimum. Maintenant, tant que l'intérêt cumulé est inférieur à 150 000, ben, on va continuer à faire les calculs des intérêts cumulés. D'accord? Voilà, donc l'intérêt cumulé, il est ici. Ben, il faut qu'il soit inférieur à 150 000 pour qu'on continue. Dès qu'il est égal à 150 000, ça veut dire qu'on peut, on peut arrêter. Voilà, donc on peut arrêter notre calcul. Voilà. Donc, on peut initialiser l'intérêt cumulé. On peut faire intérêt cumulé. Ben, il est égal à 0 au départ. Il est égal à 0 au départ. Maintenant, à chaque fois, on calcule l'intérêt annuel. Donc, on va faire intérêt annuel. C'est égal à quoi? Ben, c'est le capital. C'est la valeur du capital multipliée par le taux d'intérêt. On avait dit que c'était 3,5%. Donc, ça veut dire que c'est 0,035. D'accord? Et donc, l'intérêt cumulé. Voilà, donc l'intérêt cumulé, donc ça va être égal à l'ancienne valeur de l'intérêt cumulé plus l'intérêt annuel. Voilà, plus l'intérêt annuel. Bah, en fait, ici, en haut, là, c'est l'intérêt annuel. Voilà. Donc, l'intérêt annuel, c'est comme ça qu'on le calcule, l'intérêt annuel. Voilà. Et l'intérêt cumulé, ça fait l'intérêt, l'ancienne valeur de l'intérêt cumulé plus la valeur de l'intérêt annuel. Voilà. Donc, l'intérêt annuel, c'est un R ici. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt annuel. Maintenant, le capital, lui aussi, va changer parce que le capital, il ne reste pas constant. Donc, chaque année, sa valeur change. Donc, le capital, ben, ça sera le capital plus aussi l'intérêt annuel. Voilà. Donc, le capital, ça sera ben, le capital plus l'intérêt annuel parce qu'on a, ajouté quelque chose à son capital qui est l'intérêt qu'on a gagné. Voilà. Donc, le capital
c'est l'ancienne valeur du capital plus l'intérêt annuel. Donc, plus intérêt annuel. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, chaque année, on fait les mêmes calculs. Et donc, dès que le montant va atteindre 150 000, donc on peut arrêter. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit calculer? Bon, on est en train de déterminer le nombre d'années. Donc, il nous faut une variable qu'on appelle le nombre d'années pour bénéficier du prêt. Donc, année pour bénéficier du prêt. Année pour prêt. On va l'appeler comme ça. Ben, ça sera année pour prêt. Plus 1, voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait les calculs, on fait plus 1. Donc, il faut déclarer cette variable-là. On va les déclarer ici. Voilà. Voilà, on les déclare ici. Donc, initialement, il est aussi égal à 0. Voilà, donc, année pour prêt est initialement égal à 0. On l'initialise à 0. Donc ici, on peut afficher la valeur du nombre d'années pour bénéficier d'un prêt. Voilà, donc ça nous aidera à traquer les choses au cas où il y a des erreurs, des choses comme ça. S'il y a des affichages, ça nous aide à nous situer. Donc on va afficher nombre d'années pour bénéficier d'un prêt. Voilà, nombre d'années bénéficier d'un prêt. Alors, donc, pourcentage backslash n pour aller à la ligne, et donc on va faire année pour prêt. Voilà. Donc, on va faire ça. Voilà, donc on affiche ça. Donc on a calculé, donc à ce niveau, on aura déjà le nombre d'années pour bénéficier du prêt. D'accord? Voilà, on peut faire vérifier ainsi déjà, on a quelque chose qui fonctionne. Apparemment, il y a quelques soucis quelque part. Intérêt annuel, on n'a pas déclaré. Donc, il va falloir les déclarer. Voilà, intérêt annuel. Donc, intérêt annuel, c'est un R ici au lieu de T. Voilà, c'est un R. Donc, on va, c'est toujours intérêt. Apparemment, on avait fait une erreur ici. OK. Voilà. Donc, normalement, si on exécute, on peut déjà voir que on peut donner 200 000. Ça passe. Et on dit, placement initial, c'est 200 000. Le nombre d'années pour bénéficier du prêt, c'est 17. Donc, il faut 17 ans à ce rythme-là pour avoir un prêt. Donc, là, ça va. On va enlever les caractères accentués là pour éviter les problèmes d'affichage. OK. Donc, on va continuer. Donc, la prochaine question, c'était laquelle? Voilà, la prochaine question, c'était quoi? C'était de demander à l'utilisateur le nombre d'années qu'il souhaite pour rembourser les prêts, donc la durée du prêt. Donc, on va demander la durée du prêt. Non, ce n'est pas ça la question. Oui, ouais, c'est le montant du prêt d'abord. Il faut le montant du prêt. Donc, on lui a demandé le placement initial. Ben, on a calculé le nombre d'années avant. Voilà, de pouvoir bénéficier du prêt. Maintenant, une fois que ce nombre d'années
est atteint, ben, on va lui demander de donner son montant du prêt. D'accord? Montant, on va demander le montant du prêt. Donc, on a dit que le montant du prêt, il ne doit pas être supérieur à 10 fois le placement initial. D'accord? Donc, il y a une condition. Il faut aussi qu'on déclare une variable montant du prêt. Voilà, donc montant du prêt. Montant du prêt. Voilà. Montant du prêt. Donc, ce montant du prêt, il doit obéir à des conditions bien déterminées. Voilà. Donc, ce montant du prêt, on va le demander à l'utilisateur. On a donné le montant du prêt. Donc, pourcentage, on va donc mettre ça dans. Il n'y a pas de pourcentage à faire ici. On va mettre dans scanf. On va mettre pourcentage des montants. Montant du prêt. Voilà. Et donc, il y a une contrainte à respecter, donc while. Donc, le montant du prêt, bah, naturellement, il doit être positif, d'accord? Voilà, il faut montant du prêt supérieur à zéro. Donc, si montant du prêt est inférieur hein, donc, ou égal à zéro, bon, zéro, il faut éviter aussi parce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire après. Ou encore, si le montant du prêt est supérieur à donc 10 fois le montant le placement initial. Voilà, 10 fois placement initial. Donc, il ne faut pas que ça soit supérieur à 10 fois. Ça peut être égal jusqu'à 10 fois, mais pas plus. Donc, on va afficher après le montant du placement initial. Le montant du prêt. Donc c'est pourcent de montant prêt. Et donc on va aller à la ligne pour les autres affichages. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est ensuite il faut demander la durée du prêt, d'accord? Donc la durée du prêt, ben, il doit être compris entre 1 et 6. Donc on demande et la durée du prêt. Donc là aussi il faut faire un do while, d'accord? Bon, le schéma c'est le même lorsqu'on a des contraintes. Donc, on fait un do while. Donc, on va demander printf donner la durée. On va aller à la ligne. Ensuite, on fera scanf. Donc, la durée du prêt, c'est un entier. Pourcent D. Bon, je ne crois pas qu'on a déjà déclaré une durée du prêt. On n'a pas déjà déclaré, donc il faut aller les déclarer. Voilà, donc on a durée prêt. Il faut aller déclarer. Int, on va les déclarer en bas.
durée du prêt. Donc, la durée du prêt, ben, ça doit être supérieur ou égal à 1. Donc, si c'est inférieur à 1, donc on va reprendre. Il doit aussi être inférieur à 6. Donc, s'il est supérieur à 6, s'il est supérieur à 6, ben on va aussi rejeter. Donc, on va répondre. Donc, on va afficher durée du prêt. Donc, durée prêt. Voilà, donc on a la durée du prêt. Et la question qui suivait, donc c'était donc de déterminer, voilà, de demander la durée, ensuite calcul du montant à rembourser sans intérêt. Voilà. Ben, on a dit que une fois que l'utilisateur, le client a précisé la durée de son, disons, le montant du prêt et la durée, ben, on va diviser ce montant du prêt par la durée, c'est-à-dire on répartit les remboursements équitablement entre les années. Maintenant, ce montant-là, c'est 100, sans le calcul des intérêts cumulés, quoi. Voilà. Calcul du montant sans intérêt, du montant à rembourser sans intérêt. Voilà. Mais ces montants sans intérêt là, c'est quoi? C'est un float aussi, hein, puisque c'est quelque chose divisé par quelque chose, c'est un float. Voilà, donc on peut les déclarer ici, float, montant, remboursement, voilà, montant, remboursement, remboursement, donc c'est égal à quoi? C'est les montants du prêt. Montant prêt divisé par durée prêt. Voilà, donc c'est ça. Mais si on le garde comme ça, comme montant prêt, initialement, on ne l'a pas pris comme un float. Mais comme les conditions montrent que forcément montant prêt, ben, c'est un entier, donc on ne va pas se compliquer la tâche. On le prend comme un entier. Donc ici, montant prêt et durée sont des entiers. Donc si on les divise, on fait leur rapport comme ça, ça va donner un nombre entier. Donc, montant remboursement risque d'être un, voilà, c'est-à-dire un réel qui contient en fait juste un entier, quoi. Donc, pour que ça soit la division réelle là, donc il faudrait convertir, voilà, il faut convertir cette expression, voilà, donc en float, le résultat en float, voilà. Sinon, ça ne va pas nous donner quelque chose après la virgule, quoi. Après la virgule, ça sera toujours 0. Parce qu'il va faire la division entière et il va affecter ces résultats-là, donc au float là. Donc, ça ne donne pas vraiment ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, on aura ces floats-là. Voilà, le montant du prêt sans remboursement. Donc, son calcul est vraiment simple. Printf, on affiche ce résultat. Montant sans intérêt. Montant à rembourser annuel sans intérêt. Voilà, donc le montant annuel sans intérêt. Donc on va l'afficher lui. Montant de remboursement. Voilà, donc une fois qu'on a ça, donc après, qu'est-ce qu'on demande? Ben, il faut calculer
Il faut calculer quoi, les montants avec les intérêts. Voilà. Mais ces intérêts, ça varie d'une année à l'autre. Donc, il faut essayer de prendre ça en compte. Voilà. Donc, il faut faire ça parce que maintenant, les montants avec intérêt, ça dépend de l'année. Montant avec intérêt. Montant annuel avec intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut déclarer donc une variable. Ben, le montant, il faut déjà le capital restant parce que l'intérêt va être toujours calculé sur le capital restant. Donc, on va prendre int capital restant, hein, ouais, float capital restant. Donc, initialement, ce capital restant, il est égal ben, au capital, initialement. Voilà, donc il est égal au capital, mais au fur et à mesure, sa valeur va donc changer. Voilà, donc on a le capital restant qui est égal à ça. Ben, il va falloir qu'on fasse une boucle pour calculer les intérêts voilà, pour chaque année. D'accord? Voilà. Et donc, le montant total avec intérêt, donc montant remboursé avec intérêt, on va l'appeler aussi un float, hein, montant remboursement intérêt avec intérêt. Donc, lui, il sera égal à quoi? Hein, donc, ça. La règle de calcul, hein, donc ça dépend en fait du capital restant, voilà, parce qu'il faut calculer l'intérêt annuel, d'accord, et ajouter au montant remboursement. C'est ça qui va être le montant remboursement avec les intérêts. Donc il faut déclarer ce montant-là, d'accord? Voilà. Bon, on aurait pu le déclarer en haut. Voilà. Comme c'est en train de devenir un peu long là. Donc, on peut, pour avoir un peu de visibilité, on peut déclarer certaines variables en bas. Après, on peut faire remonter toutes les déclarations en haut. Voilà. Donc, il faut faire une boucle. Donc, i allant de 1, donc depuis la première année, d'accord, jusqu'à la dernière année. Donc, i allant de 1. Donc, i inférieur. Donc, à durée inférieure ou égale donc à durée près, donc pour toutes les années. Et donc, on va faire i plus plus. Donc, le montant remboursement avec prêt, avec intérêt, disons, il sera égal à quoi? Donc, il sera égal donc au montant remboursement, d'accord, il sera égal au montant remboursement mais sans les intérêts, d'accord, mais plus quoi, plus le capital restant, non, capital restant multiplié par quoi, mais le taux d'intérêt. Ici, le taux d'intérêt c'est 0,065, donc ça sera le montant remboursement avec intérêt, c'est le montant remboursement, d'accord, donc sans les intérêts, mais plus le capital restant maintenant multiplié par le taux d'intérêt annuel appliqué pour le client que je parle. Et donc ensuite, maintenant le capital restant, lui, il va être quoi? Le capital restant, et ça sera le capital ben, restant moins le montant remboursement. Voilà. Donc ça sera capital restant moins le montant remboursement. Voilà. Donc, le montant remboursement sans intérêt. Donc, pas le montant remboursement avec les intérêts. Hein. Donc, le montant remboursement sans intérêt. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, c'est.
à la fin, donc on va avoir tous les montants remboursement, quoi. Voilà. Donc, on peut les afficher, hein. On peut faire un print pour afficher le montant remboursement et le capital restant à chaque fois. Voilà. Donc, on va faire un print pour afficher le montant remboursement. Montant en remboursement. Montant remboursement. D'accord. On va faire ça. Et on va aussi capital restant. On va afficher aussi le capital restant. Et donc, on va afficher les deux. Donc, il y a montant remboursement avec les intérêts. Voilà. Et deuxième chose à afficher, c'est capital restant. Voilà. Voilà donc l'essentiel de cet exercice-là. Voilà. Donc le capital, le montant remboursement, ben, il change d'année en année. Le capital restant aussi, il change. Voilà. Donc ceci sont les valeurs initiales. Voilà. Donc ça, c'est valeur initiale de capital restant, c'est le capital. Et puis chaque année, ben, on enlève le montant dit remboursement. Voilà. Donc on peut vérifier est-ce qu'on a l'essentiel qui est correct. OK, donc il nous dit qu'il y a un souci. Sunday expect five things. Oui, montant remboursant, c'est un float. D'accord. Ici, montant restant aussi, ben, c'est float. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Int. Est-ce que j'ai déclaré le int IDA? Ah, OK. Ben, je l'avais fait en bas. J'ai écrit en haut. Donc, on va déclarer int ici pour nous éviter ces soucis-là. OK, montant remboursement. OK, intérêt sans intérêt, qu'est-ce qu'il nous rencontre? Voilà. C'est printf. Ligne 52. Ligne 52, il y a un problème. OK, montant remboursement, c'est %F ici, c'est un float pour afficher. OK, ben, tout semble marcher correctement. Donc, on peut juste essayer. Donc, on peut donner le montant de 200 000. Voilà, donc 200 000. Là, ça, c'est le placement initial. Ben, le nombre d'années pour bénéficier du prêt, c'est 17 années. Le montant du prêt sollicité, ben, on va faire 10 fois 200 000, donc 2 millions. Donc, le montant du prêt, ça fait 2 millions. La durée du prêt, on va choisir 6 ans. Donc, voilà, donc on a Voilà, donc la durée du prêt, montant annuel sans intérêt, c'est 343 000. Hein, donc, montant remboursement, voilà, donc avec les intérêts là, donc c'est ça. OK, je crois que c'est bon, voilà. Bon, il y a les affichages qui ne sont pas très corrects là après. Voilà, mais je crois que on a l'essentiel des étapes, donc vous pouvez essayer et corriger des éventuelles erreurs voilà, d'affichage. OK, donc pour ne pas être trop long.
dans la vidéo. Donc, merci à tous. Merci d'avoir suivi. Donc, bon exercice.